Stephen Hamill fait part de ses réflexions sur la grève de l'ESAG-AFTRA. Lors d'une apparition au GalaxyCon de Jalte, Caroline du Nord aux États-Unis, les stars de la JOP révèlent qu'ils ne soutenaient pas de grève actuelle des acteurs. J'ai l'impression d'être isolé Hollywood parce que c'est le lieu que je visse. J'ai l'impression que beaucoup de gens dans cette salle ne sont plus courts de la grève, a-t-il déclaré. Je soutiens mon syndicat vraiment et je suis à ses côtés, mais je ne soutiens pas la grève. Je ne le soutiens pas, il ajoute, et je pense qu'il s'agit d'une tactique de négociation réductrice. Et je trouve toute cette affaire incroyablement frustrante. Je pense que des réflexions sur les choses comme cette série dans laquelle je jouais qui est diffusée pour les premières fois hier soir et mieux que je soutiens mon syndicat. A jouer acteur Stephen Hamill série doesn't support ou gas agafres jake qui do not support. Striking. He don't. Le syndicat expliquait que les questions clés au jeu, notamment la rémunération du streaming, l'intelligence artificielle, sont si importantes pour les acteurs qu'ils ont estimé qu'un arrêt de travail était nécessaire pour obtenir le meilleur accord. Lorsque les grèves étaient déclenchées, le président de SAG-AFTRA, Frédéric Chouinard ou d'Enfer, expliquait que le syndicat était déçu que les choses soient arrivées avec le MPTP. Nous sommes des victimes ici, a-t-elle déclaré dans un discours puis à l'époque. Nous sommes victimes d'une entité très avide. Je suis choqué par la façon dont les personnes avec lesquelles nous avons travaillé nous traitent. Très franchement, je n'arrive plus à croire que nous soyons si éloignés l'un de l'autre sur tant de points. Mélissa Tellal.